Shalom ubracha, mes chers amis, par rapport à ce Dvar Torah que je vous ai fait de la Haftara, laissez-moi vous rapporter une très très belle histoire. C'était Rabbi Lipa. C'était le rave de Charigrod qui se trouve en Europe centrale. Et ce grand rabbi était d'une assiduité exceptionnelle. C'était un rave qui étudiait la Torah. Il pouvait rester des jours et des nuits sans manger, sans dormir. C'était quelque chose de phénoménal. Son zèle ne connaissait pas de limite. Comme de jour, comme de nuit, vous trouvez Rabbi Lipa en train d'étudier la Torah. C'est pas beau ça? Et se vouer pour HaKadosh Baruch Hu, jour et nuit, en tout temps et en tout lieu. C'est extraordinaire. Comme les Hachamim qui attendent le bus et qui font l'étude d'une Gemara. Ils ont fini le Talmud en 5 minutes. C'est possible? Impossible. Il faut 7 ans. Alors, eux, en 5 minutes, quand ils attendaient le bus, 5 minutes pour 5 minutes, l'autobus, ils venaient à 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, ils ouvraient tout de suite leur livre. Et bien, à la fin du compte, avec quelques années, ils ont réussi à finir tout le Talmud. Et bien voilà, c'était Rabbi Lipa. Pareil. On le voyait constamment penché sur ses livres, sa Gemara ou bien d'autres livres de Torah. Maintenant, la communauté de Charigrod respectait énormément leur rabbi, puisqu'ils savaient qu'il était sincère. C'était un homme qui étudiait la Torah d'une manière vraiment pour Dieu. Et comme je viens de vous dire, toute la semaine, le Rav Lipa s'adonnait à la Torah, avec une assiduité exceptionnelle et exemplaire. C'est ça le truc. Exemplaire. Maintenant, le Shabbat, comme je vous avais rapporté plusieurs fois, que le Shabbat, il y a encore une plus grande mitzvah d'étudier la Torah. Je vous avais rapporté le Tana d'Eviliyahu au chapitre 1 qui nous dit là, étudier le Shabbat, bon, des dizaines et des centaines de fois plus que la semaine. Alors imaginez-vous, Rabbi Lipa, il ne quittait pas la Torah. Et le vendredi soir, il dormait quelques heures après la Seouda. Et se réveillait longtemps avant le lever du jour, et il étudiait, il se plongeait dans certains livres sur la Gemara, et pendant un moment après, il le refermait, il ouvrait un autre livre qui était le Humash, après un autre livre, et plein de livres étaient empilés sur sa table, plein de livres. Et Rabbi Lima, Lipa, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, aurait pu se plonger dans l'étude jusqu'à l'issue de Shabbat, sans s'en rendre compte, mes chers amis. Vous vous rendez compte cette force d'étudier? Parfois, il y a ton dos qui te fait mal et tout, tu as besoin de boire. La Torah, c'était ça, son oxygène. Et c'est pourquoi tous les Shabbats, pour ne pas qu'il étudie comme ça sans prier, alors, à l'heure de la prière, il y avait le shamash de la synagogue qui s'appelait Reb Mordechai. C'était pas un rabbi, mais les gens importants de la communauté, on les appelle Reb. D'accord? Monsieur Mordechai. Et il frappait tous les samedis matins à sa porte pour convier le rave, Rabbi Lipa, le maître, le rave de la communauté, de venir avec lui à la synagogue. Ça veut dire que s'il ne venait pas, eh ben Rabbi Lipa s'oubliait, il étudiait comme ça des heures et des heures jusqu'au soir de Shabbat. Un jour, c'était le Shabbat de la paracha de Shemot. Reb Mordechai avait beaucoup à faire parce qu'il y avait le patron du mois. C'est pourquoi le patron du mois, c'est quelqu'un qui va financer tout le mois. Il va financer la synagogue, les séoudotes, l'électricité, tout ce qui va se faire dans la synagogue. Il va tout payer. Ça s'appelle le patron du mois. Et lui, le patron du mois, eh ben, il mariait son fils. Alors c'était une opportunité fantastique. Donc la semaine suivante, suivant le fiancé, c'est dans la semaine d'après, on fait plein de kavod à la famille, on invite tout le monde et on fait monter les gens à la Torah, on prépare, et Rebbe Mordechai était en train de préparer les places, il était vraiment concentré dans son travail afin de recevoir tous les invités et la famille avec honneur et que chacun y puisse avoir sa place d'une manière convenable et respectable. Mais ça prend la tête. Et l'esprit du shamash était vraiment très pris, très occupé pendant tout le Shabbat. C'est-à-dire du vendredi soir, le samedi matin, il était très stressé, etc. Et hélas, c'est tout ce stress-là, pour la première fois de sa vie, Reb Mordechai a complètement oublié de se rendre chez Rabbi Lipa.
pour aller le chercher et lui dire: toc toc, Rabbi, c'est le moment de la tfila. Il était trop préoccupé par ses préparatifs et les fidèles ne remarquèrent pas directement, tout de suite, immédiatement, que Rabbi Lipa n'était pas là. Mais à un certain moment, il se dit: attends, mais c'est pas possible. Il n'y a pas Rabbi Lipa. Alors, au moment des psouk et des zimra, ça veut dire des psaumes qu'on fait pendant la prière, mais là, on n'a pas le droit de parler. Alors, chacun est en train de faire des signes. Et chacun fait un signe au shamash, à Reb Mordechai, en disant: mais le rabbi, il n'est pas là. Oh là là, notre rabbi Mordechai, il s'est dit: oh, il va, il va. J'ai complètement oublié. Quand il s'est aperçu de l'absence de Rabbi Lipa, il blêmit. Il se leva d'un bond en se frappant le front. Et il a quitté précipitamment la synagogue, c'est sûr, avec respect. Quand on sort d'une synagogue, on ne sort pas d'un moulin. Petite parenthèse, on se retourne, notre visage en face de la synagogue et des Sifrei Torah, et après on recule en reculant. D'accord? On marche en reculant, en embrassant, si possible, la mezouza, et on sort avec respect. Et ceux qui veulent, il y a un passouk à dire: Adonai Nahini Bitzitkatra Neman, etc. C'est un passouk que l'on lit en sortant de la synagogue. Notre Mordechai n'a pas pu lire le passouk, le verset, parce qu'il était au milieu des psouk et des zimra, et on n'a pas le droit. Mais j'en suis sûr qu'il a fait ainsi. Et il court précipitamment, il court, il court, il court vers la maison de Rabbi Lipa. Étant donné, comme je vous ai dit, que Reb Mordechai ne pouvait pas parler, il est au milieu de la prière. Donc il n'a pas informé Rabbi Lipa de son retard. Donc très bien, il frappe à la porte, Rabbi Lipa, il sort, très bien, avec son talit, et ils vont en direction de la synagogue. Et Rabbi et Reb Mordechai étaient en train de lire les psukim, mais ils ne voulaient pas lire à haute voix, il avait peur de lire à haute voix, pour ne pas parler avec le rab. Vous voyez, vous allez voir pourquoi. Et là, quand il arrive devant la synagogue, Rabbi Lipa, eh ben, il se rend compte de la situation. Et ça a été une surprise, une mauvaise surprise, de voir toute la synagogue qui était pleine à craquer, parce que, comme je vous ai dit, c'était le Shabbat Hatan. Et c'est seulement quand il est rentré dans la synagogue, qu'est-ce qu'il entend, Rabbi Lipa? Baruch et Hashem Amevorach. Il s'est dit: quoi? J'ai loupé tout le début. Oh là là, c'est pas possible. Surtout, Rabbi Lipa, il avait de coutume de venir de bonne heure à la synagogue grâce au Rabbi Mordechai, au Reb Mordechai, mais parce qu'il voulait lire doucement, lentement, sans se hâter, comme il se doit. C'est comme ça qu'on fait la prière. Et malheureusement, l'oubli du shamash a irrité notre Rabbi Lipa. Et donc, Rabbi Lipa se retourne vers Reb Mordechai pour lui dire: mais qu'est-ce que tu as fait? Comment je vais faire pour faire ma prière, etc. C'est la honte devant tout le monde. Le rav qui vient en retard, c'est pas un bon exemple. Et surtout, ce Shabbat où il y a plein d'étrangers, ils voient le rav arriver en retard. Et sur la fougue, aïe, Rabbi Lipa fait une grande erreur. Et il donne une gifle à Reb Mordechai. Reb Mordechai, qui était un grand tzaddik, il accepte l'affront sans protester. Et il estimait, tout à fait, que la sanction était bien méritée, qu'il méritait cette sanction, parce qu'à cause de lui, malheureusement, Rabbi Lipa avait loupé le quart de la prière, même la moitié de la prière, et qu'il méritait une gifle. Il pensait et se disait au moins que cette humiliation publique et cette gifle puissent être me pardonner de mes fautes. Maintenant, comme chaque semaine, le rav est appelé à la montée de la Torah. Quand est-ce il a appelé? Généralement le troisième. Le troisième, on l'appelle à la Torah. Donc, comme chaque semaine, on sort la Torah, on fait le premier que le Kohen, le deuxième le Lévi, et le troisième, Yahamod Rabbi Lipa, Yahamod Hashem Tov, Arav Shel HaKehila. Très bien, le rav marche vite, il monte à la Torah. Et il a été saisi de frayeur en entendant la kriyat haTorah de la paracha de Shemot. Comme je dis, c'était la paracha de Shemot.
Et il monte au chapitre 2, au verset 13. Et qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas? C'était en rapport avec Moshe Rabbeinu. Et il dit aux méchants, pourquoi frappes-tu ton prochain? Aux méchants, pourquoi frappes-tu ton prochain? Ça n'a pas traîné, hein? Rabbi Lipa a reçu le signe du ciel, bam, tout de suite. Ça n'a pas une heure, ni 2 heures, ni un jour, ni une semaine, ni un mois. Sur le champ. Bouleversé, Rabbi Lipa qui comprend immédiatement l'allusion d'Hachem, parce que comme c'était un Shabbat Hatan, même s'il avait l'habitude de monter au troisième, comme c'était un Shabbat Hatan, on aurait pu lui donner une autre place, ou bien faire monter rien que les invités. Si on a tenu à le faire monter, c'est que là-haut, on voulait lui transmettre ce message une fois qu'il avait donné la gifle. D'accord? Et donc, c'était une allusion du ciel qui lui signifiait qu'il était considéré comme un méchant, comme un rachat, et avait commis une grave faute en humiliant Rabbi Mordechai, le shamash de la synagogue. On doit le respecter. C'est un shamash. Il est au service du peuple d'Israël. Et donc, c'est évident que Rabbi Lipa, tout de suite, dès qu'il a vu le verset, il se souvient de la Gemara Sanhedrin à la page Nunhet Amud Bet 58b, que Rabbi Hanina, il dit par rapport au verset, pourquoi méchant tu lèves ta main? Et il revint, ça lui est mis dans la tête à Rabbi Lipa, tout de suite, sa mémoire, zzz, elle a fait le rapport. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara Sanhedrin 58b? Malheur à celui qui frappe la joue d'un Ben Israël. C'est comme s'il frappait la joue de la Shekhina, de la présence divine. Waouh! Rabbi Lipa, il est un haham, tout de suite. Et il s'est dit, waouh, malheur à moi, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et comment j'ai pu faire une bêtise pareille, une faute aussi monumentale? Comment j'ai pas pu dominer sur ma colère et sur ma passion? Comment j'étudie la Torah et j'ai pas réussi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr, tant que vous êtes grand, tant que les épreuves sont encore plus grandes. Et donc plus grandes. Donc Rabbi Lipa, c'était un colosse parmi les colosses. Et en revenant à sa place, Rabbi Lipa s'est dit, non, 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 non. Il faut absolument que je demande Mehila, pardon, au Shamash. Donc il est allé tout de suite en direction du Shamash. Pourquoi? Pour lui demander pardon de son acte. Mais le Shamash a eu peur encore qu'il lui donne encore une autre gifle. Donc il a reculé. Il lui dit, non, 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 je t'en supplie, Rabbi. Ne me frappez pas encore une fois. Alors le rab lui dit, je ne vais jamais te frapper, allons. Que Dieu m'en préserve. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Hatati pachati, même si c'est Shabbat, je te demande pardon devant tout le monde. Alors, c'était devant les fidèles. Donc ici, c'est. Mais Rab, mais Reb Mordechai, il dit, mais non. Rabbi, c'est moi qui ai fauté, c'est moi, à cause de moi, vous avez loupé la moitié de la prière, à cause de moi, vous avez été humilié, tout le monde pensait que vous êtes un feignant, que vous êtes levé maintenant, c'est moi le coupable. Et le rabbi dit, mais non, je t'en supplie, c'est moi. Et donc, il ne comprenait pas qu'il fallait pardonner le rabbi Lipa, d'accord? Et chacun demandait pardon, et rabbi Lipa, il s'est dit, je ne vais pas rester éternellement devant lui. C'est un signe que là-haut, on ne veut pas que Rabbi Mordechai me pardonne. Et malgré tout, après la prière, il va vers lui, il lui dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Rien à faire, Rabbi Mordechai n'a pas eu la présence d'idée de dire, oui, Rabbi, non, c'est lui qui disait, c'est moi qui vous demande pardon. Je vous promets, je fais une très grave erreur. Et Rabbi Lipa, il reste comme ça, sans pardon, parce que le chamage était persuadé d'avoir commis une grave faute et que ça lui vient même pas à l'idée d'accorder le pardon au rab. Ça lui traverse même pas l'esprit. Et qui sait qui fait ça là-haut? C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne même pas l'esprit. Parfois on dit, aïe, 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 mais j'aurais dû y penser. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Akadosh Baruch Hu, il nous a pas mis dans la tête. Comme je vous ai dit à la fin de l'office, c'est tout, rien à faire. Donc Rabbi n'est pas rentré chez lui. Un peu peiné comme ça, il n'était pas bien. Il fait le kiddush, il fait d'accord, le premier seouda, la deuxième seouda et un soda shlichit. Et après soda shlichit, il a compris que le ciel empêchait
le Shamash de pardonner Rabbi Lipa parce qu'il avait commis une grave faute et que ne pouvait pas s'effacer seulement par un simple pardon. Oh, excuse-moi. Là où il disait non, par rapport à ta grandeur, toi, Rabbi Lipa, t'es un top. Donc tu peux pas, pardon, et puis bah, il s'est pardonné. Donc Rabbi Lipa a attendu la fin du Shabbat, à la fin de son Shlichit, il va faire un ravit à la synagogue, il revient à la maison et il annonce à son épouse. Et il lui dit, regarde ma chérie, je me suis rendu coupable d'une très grave faute, je te promets. Voilà la faute que j'ai commise et c'est très grave ce que j'ai fait. Et je ne pourrai expier, pardonner ma faute seulement en partant en exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? La personne s'en va de chez elle, s'en va, elle ne sait pas où, où dormir, où manger, où faire, rien, elle ne sait pas, elle s'en va. Et en partant de chez soi, comme un vagabond, comme un pauvre, où on ne sait pas où on va, ça pardonne beaucoup, mais beaucoup de fautes. Beaucoup de sages faisaient ainsi pour pardonner le peu de fautes qu'ils avaient. Et moi, je pense, c'était plutôt la faute de la génération plus que leur faute. Et donc, il dit à sa femme, ma chérie, ce soir même, je vais quitter la ville et je ne reviendrai que lorsque je recevrai le signe d'Akadosh Baruch Hu, le signe du ciel, que ma faute a été vraiment pardonnée et expiée. Comment? Hachem, il a un tas de moyens pour pouvoir nous dire, voilà, je t'ai pardonné. Il a un tas de moyens. La rabbanite, elle entend ça, elle essayait de dire, mais non, écoute, Rabbi, c'est pas comme ça, mon chéri. Elle a essayé de faire tous les moyens pour le dissuader. Mais le Rabbi Lipa s'est dit, c'est sûr que j'ai une faute sur mes épaules, sur ma tête, et moi là-haut, je n'ai pas envie de rendre des comptes sur cette faute-là. Il faut que je la fasse pardonner tant que je suis sur cette planète vivant. Donc, je vais en profiter. Et en s'imposant cette punition sévère, ce n'est pas un petit pardon, c'est une punition très très sévère, Bezrat Hashem, il dit à son épouse, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu pourra me pardonner, mais je ne peux pas continuer à vivre d'une manière comme si rien ne s'était passé, il faut que je fasse quelque chose, d'accord? Et il quitta la maison, d'accord, à l'insu de tous, c'est-à-dire personne de la ville était au courant où était passé Rabbi Lipa. Et personne ne savait où il était, même pas sa propre épouse. Où aller? Rabbi Lipa a commencé à marcher avec ses petites affaires, ses téphilines et son livre, sa Megillah, il ne sait pas combien de temps il va en avoir. Il prend ses objets précieux de Torah, des livres, et il s'en va.